Alors on retrouve maintenant les mandalas que vous avez pu écouter tout à l'heure en direct. Présentez-vous tout d'abord les mandalas. Donc c'est Jérémy, je sais jamais lequel. C'est moi. Jérémy et Anthony. Anthony, je me souviens jamais, je vous confonds tous les deux. Alors les mandalas, expliquez-nous un petit peu votre univers, votre rencontre, tout ça. Bah nous en fait on est né en fait de la sauce de Stéphane Heuys en 2006. Et on s'est vite rendu compte en fait sur les plateaux qu'on se retrouvait l'un avant l'autre ou l'un après l'autre. Donc du coup nos styles étaient à peu près pareils. Donc on s'est rejoints. On a monté un duo il y a 2 ans. Et la complicité elle s'est faite comme ça. Et l'amitié aussi, parce que c'est vrai que maintenant on est. C'est souvent des histoires d'amitié. Alors donc, vous avez chauffé la piste tout à l'heure. Pas mal de bons sons, vous avez des titres en prévision? Non? En prévision, ouais. Toi, en fait, on travaille beaucoup avec notre label Division Virtuelle, donc le label de Bob, Atix, label lyonnais. Donc voilà, on a sorti une track il y a une semaine et demie. Deux, un EP quoi. Et voilà, ça se passe plutôt pas trop mal. Bob est plutôt content donc. Ce soir, il est là. Peut-être qu'on pourra le retrouver ici tout à l'heure sur notre petit plateau en haut. Vous avez d'autres soirées prévues dans les prochaines semaines, prochains mois? Bien sûr, on joue assez souvent à l'accordéon. Donc c'est un super bar à Saint-Etienne. Un pub, ça ferme à 1h, mais l'ambiance est là, le son est là. Il y a beaucoup de jolies filles. Il y a tout ce qu'il faut pour que la soirée se passe bien. Et donc c'est un établissement qui est ouvert il n'y a pas très longtemps, non? Tout à fait, c'est un établissement qui a quoi? Qui a 3-4 mois même pas, 3 mois. Et voilà, c'est l'opportunité pour tous les DJ de la région, parce qu'il y a des Lyonnais aussi qui vont venir mixer là-bas. Donc de se faire connaître et de faire bouger les gens de Saint-Etienne. Et donc Dan va faire d'autres. Alors donc c'est un petit peu Dan qui coordonne un petit peu toute la soirée. Tout à l'heure Vincent nous disait qu'il allait y avoir d'autres dates sur Saint-Etienne au fil. Vous allez repasser aussi, jouer un petit peu? Je pense pas, parce qu'il y a quand même pas mal d'artistes à Saint-Etienne. Donc le jeu voudrait que tout le monde tourne, donc je pense pas qu'on sera là la prochaine fois. Après, moi je sais pas, c'est Dan et Vincent qui décident. Ok, très bien. Eh bien écoutez, on va vous laisser, on se retrouvera peut-être tout à l'heure encore. On aura d'autres artistes qui vont venir nous rejoindre. Electric Rescue dans pas très longtemps, juste après son set. Et sans doute encore d'autres personnes. Dan viendra, parce qu'on entend parler de Dan depuis tout à l'heure. Dan passera, il terminera aussi la soirée, c'est lui qui mixe à la fin. On se retrouvera tout à l'heure, merci.